Salut les petits buggés! On se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos qu'on se fait sur Assassin's Creed Odyssey. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et on va se reprendre exactement là où on s'était arrêté la dernière fois. C'est parti! Du coup, on va aller faire cette quête là. On y va à pied ou pas? Non, on va se TP, c'est un peu. Est-ce qu'on s'apprête pas vite fait quand même? Allez, on se met une petite tenue. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment bien que je sois à poil, d'autres qui aiment bien que je mette une tenue à Alexios, mais. Là, on va commencer à entrer dans les choses un peu plus sérieuses, tu vois, dans le fin de scénario, tout ça. On va peut-être la jouer un peu plus sérieux et se faire une tenue plus agréable à regarder, disons, hein. J'ai pas un truc gladiateur un peu sympa. Tenue merveilleuse. Mais c'est... Mais c'est parce que j'ai fait le New Game Plus, du coup j'ai débloqué la tenue de Cassandra. Et je crois que je suis obligé de la mettre, non? Ah putain, j'ai envie de la laisser. Non, ça craint. Allez, je la mettrai une autre fois. Ouais, c'est pas trop mal là, c'est pas trop mal. Du coup, on était parti sur la mission là-bas, hein, ouais. Putain, la tenue de Cassandra, quoi. C'est énorme. C'est énorme. On va peut-être changer vite fait les skins. Alors l'arc, on va le garder parce qu'il est sympa, là, le truc avec les ailes. Mais vite fait, changer celui de l'épée. On va mettre le beau qu'on avait eu, là. Ah, celui-là, voilà. L'épée des rois, qui brille et tout, elle est sympa. Et on va changer aussi les dagues. Tant qu'à faire, on va mettre un truc sympa, genre ça. Voilà, là, on est beau gosse, là. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'il veut me dire, lui? Parce qu'on a fini sa quête des bâtons, on a chargé tout le bâton. On a récupéré les 4 pouvoirs, donc... J'ai entendu dire que des ingrats complotaient contre elle. Mais Perséphone a besoin d'être protégée. Ah, pas moi, hein. Ton père et moi avons un ami commun, Kyros de Zarax. C'est un guerrier fort et honorable. Il a été enlevé, mais si nous parvenons à le libérer... Tu veux offrir comme garde du corps à Perséphone un mortel? Les humains réfléchiront à 2 fois avant d'attaquer l'un des leurs. Moi, je m'en fous après de leur guerre, hein. Je te le dis honnêtement. Tout ce que je veux, c'est sortir d'ici, alors prendre parti pour elle ou pas, pour le moment... Si je ne savais pas à quoi m'en tenir, je dirais que tu es amoureux de Perséphone. Adonis voit en elle une despote cruelle. Pour son époux, elle n'est qu'une sorte de trophée. Et pour toi? Pour moi? Oh, elle est... absolument tout. Lui, c'est mon poteau aussi, hein. Quelque part, c'est plus mon poteau que tous les autres, hein. Il aime bien Perséphone, je vois pas en fait pourquoi je complote contre. Comment as-tu connu ce Kyros? Il a été un assistant de ton père. Je vais trouver Kyros. Bon, pendant ce temps, je vais arranger une rencontre avec Perséphone. Amène Kyros au cœur de l'Elysée. Nous serons là-bas. En vrai, j'ai plus envie de partir. Perséphone, elle était cool. Finalement, tout le monde complote contre elle, mais elle m'a pas donné raison particulière. Hormis quand on s'est fait attaquer au début, quoi, mais tout le monde, moi, je sais pas trop. J'ai pas forcément envie d'aller contre elle, en vrai. Tout le monde dit du mal d'elle, mais on l'a pas vu agir mal, pour le moment. Nous, tout ce qu'on veut, c'est sortir, après tout. J'ai rien contre elle, du moment qu'elle me laisse sortir. Hop, amarré. On peut peut-être essayer de jouer sur 2 tableaux. Bon, j'aurais peut-être dû ramener le cheval au bon endroit. Mais là, j'ai vraiment pu jouer pour la rébellion, mais au final, là que j'ai passé un peu de temps avec les rebelles, bon... Et puis Aphrodite, elle est du côté de Perséphone aussi. Eh, ça, faut y penser. Restez un peu équipez-vous d'un casque issu. Ah! Putain, je venais de faire mon skin. Mais c'est pas grave, je vais jouer le jeu, je vais mettre un casque issu. Et est-ce que j'en ai un? Ouais, j'en ai un. Vas-y, bam. Ça marche au moins, ton truc? Ça marche mon vie, hein. Bon, allez, ça part en couille. Alors, attends. Ils me cassent la tête, eux. Ils ont mérité ce qu'il leur arrive, hein, je te le dis. Il attend sa flèche. Il est sympa. Voilà, vous êtes contents? Vous m'avez énervé. Bon, je vais remettre le casque. Équipez-vous d'un casque Issou. Oui. C'est pas un casque Issou, ça me coche pas le truc, en tout cas. Il y en a peut-être... C'est peut-être un autre que je dois mettre, genre ça. Bah, ça marche pas, hein. Bon, ils m'ont gavé avec leur casque. Allez, je repars en mode normal, tant pis. Il n'y a pas d'incognito, moi. Moi, c'est Alexios, moi, je pète des gueules, moi. Oh, t'as un gros marteau. On se casse? Allez. Perséphone nous attend. Perséphone elle-même? Ce sera bien plus facile que je l'imaginais. Puisque nous sommes presque parents, je fais confiance à ton honneur. Je travaille pour Adonis.
Et tu as été enfermé par des humains. Oui. Et Hermès l'a découvert au moment où Perséphone a pu être persuadée qu'elle avait besoin d'un protecteur. Là, je suis perdu. Je suis perdu dans mes pensées. Bah après, il y a les Onidas de l'autre côté quand même aussi. Ça veut dire que toute la famille est du côté des rebelles, moi. Tu as mis au point ce mensonge et tu t'es servi de moi pour accéder à l'antre de Perséphone. Je te croyais un guerrier. Avant de connaître ton père, j'avais 4 fils. Tous des guerriers. À la mort du 3e, je me suis seulement senti coupable. La mort des 2 premiers avait asséché mes larmes. Le chagrin est devenu mon seul ami. Je n'avais plus personne à pleurer. Les guerriers n'apportent pas la paix. Seulement la peine. J'espère la persuader de se rendre, ou faire diversion, pendant qu'Adonis s'enfuit. Tout sauf le combat. Mais avant que nous n'allions voir Perséphone, il faut que j'avertisse du succès de ce plan. M'emmèneras-tu ? Bah si je refuse, en fait, je nique la quête, en vrai, non ? D'accord. Mais fais vite. Je sais vraiment pas... En fait, j'ai pas d'affect particulier, ni à l'un, ni à l'autre, donc je m'en bats un peu les couilles. Tuer les humains contrôlés, ok, bah ça je sais faire, par exemple. Mon dieu, je les ai éclatés les deux. Lorsqu'Adonis apprendra que mon plan a fonctionné, peut-être abandonnera-t-il. Même si, bon, le fait qu'il y ait Léonidas de l'autre côté, quand même, bon, ça force un peu le choix. Où étiez-vous ? Personne ne fait attendre Perséphone. La situation s'est compliquée. Il a fallu faire un détour. Je veillerai à ce qu'elle te soit reconnaissante. Kyros fera un bon garde. Merci encore, mon ami. Bon garde infiltré, quoi. Il y a Hécate aussi qui veut me parler. Il serait peut-être intéressant de voir... Hécate, elle est du côté des rebelles aussi. Enfin, ouais, elle est du côté des rebelles. Ces idiots sont allés jusqu'à me voler. Une recette, si tu préfères, pour une flamme éternelle. J'avais l'intention de l'offrir à Perséphone. On ne peut pas la laisser à des humains qui l'utiliseraient contre Perséphone. Gardien, enfin, Alexios, nous devons la reprendre. Je vais reprendre cette recette. Mais seulement parce que je pense que personne ne devrait posséder une flamme éternelle. Tu es de plus en plus un ami et un allié. Ça me fait de la peine un peu pour toi de te mentir quand même. Depuis que ces humains s'en prennent à elle, elle souffre. Et quand elle souffre, nous souffrons tous. Hermès, il ne t'est pas venu à l'esprit qu'elle pourrait se servir de toi? Bien sûr que non. Elle a besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Elle a besoin de moi. Si on va la garder pour nous. Si tu causes de l'agitation, nous risquons des représailles. Reste discret. Reste discret, c'est bien, j'aime pas trop, moi. Après, on va aller voir Hécate quand même, j'ai envie d'avoir des nouvelles d'Hécate. Et si elle manipule tout le monde, on va peut-être pouvoir essayer de sauver Hermès aussi, parce que bon, c'est un bon bougre, malgré le fait qu'il soit un peu éperdu d'amour. Hein, on va quand même essayer de le sauver, ce con. Tu vois, je vais taper un sprint. On va passer en 2 secondes. Ah, bah t'es déjà là, gros. Ok. Tu vas plus vite que moi, hein. Je vais localiser le truc avec Icaros et on va passer en sprintas. Oui, bah, tu veux pas grimper? Juste histoire de quoi? Non? C'est pas très chaud. Ah, là, ça lui plaît mieux, là. Ok. Il a ses petits caprices, hein. Parce que, ouais, il est pas question que je me la refasse, hein. À moins qu'ils aient pas encore eu le temps de repop, et là, ce serait vraiment cool. C'est un cadavre? Ah, bah, c'est bon, ça a pas repop. Dernière parole de rebelle. Il y a les gribouillages d'un fou. Ok, pas si tranquille, en vrai. C'est pas grave, on va passer un peu plus, on a dit. Oh, il est juste ici, oh. Ils ont de la force, hein. Oh, le con. Ça, j'apprécie très moyennement, mon gars. Hop, le dernier morceau. On va pas lui donner Hermès, hein. On va pas rajouter de la puissance à... Je cherche juste à partir. Voilà. Je le dis, hein, au cas où, si vous voulez éviter de mourir. Faut juste me laisser passer tranquillement. Oh là là, je me bats sur une jarre et tout. Oh, oh. Tiens, voilà. Bah, lui donne pas. Tu as épargné beaucoup de souffrances à ce royaume, mon ami. Mais dis-moi, est-ce qu'on t'a vu ? Oui, on m'a vu. Oui, clairement. Hein. L'endroit a été bien gardé. Ça a été violent. Ils sauront que c'était nous. Et ils vont se venger. Je vais garder ces notes arrachées. En cas de soulèvement, ce pouvoir pourrait mettre le feu à l'ensemble de l'Élysée. Tu as peut-être raison. Hermès, l'Élysée se porte plus mal que je ne te l'ai dit. Les rebelles sont bien organisés et prêts à se battre. Il y aura la guerre. Mais, Alexios, balance nous pas tout. Nous devons écraser la force qui soutient le chaos. Tu as été aperçu lorsque nous avons repris la flamme éternelle. Les humains vont se venger de nous.
Tu n'es pas un meurtrier, Hermès. Tu m'as couvert de ridicule lorsque je t'ai envoyé à Kyros. Mais je peux encore m'en remettre et prouver ma valeur. Je t'en prie, je t'en supplie, mon ami. Aide-moi à l'aider. Non, j'ai pas envie de... Je sais pas, là, non. Tu penses que ton obsession envers Perséphone te vaudra son amour? Mais c'est faux! Elle ne t'aimera jamais, Hermès. Et ce n'est pas un bain de sang qui changera cela. Assez! Non, Hermès! Mais non! Tu me fais de la peine, Hermès. Est-ce que je vais le tuer ou je le mets KO? J'aimerais ne pas le tuer quand même. Hein. Ah, il est KO, ça va. Arrête! Tu vas le tuer! Qu'est-ce que tu fais ici? Pas de questions. Remercie-moi plutôt de vous avoir arrêté avant d'avoir commis l'irréparable. Et ouais, il me manque des quêtes encore hein, avec toi. Putain, ça allait trop vite d'un côté et pas assez des autres. J'aurais dû mieux équilibrer. Ça suffit, tous les deux. Vous avez encore un rôle à jouer dans tout ceci. Alors arrêtez ces chamailleries et au travail. J'essaie de l'aider, moi. Mais je me fais enculer. Ah ben bravo. Je vais bouder sur mon arbre, ici. Et j'attendrai qu'on vienne me chercher. On va pas le faire tout de suite, ça. On va faire E4, là, parce que... Ah voilà, il reste deux quêtes pour terminer le chapitre. E4 qui, elle, va m'envoyer certainement dans le fort qui nous manque. Donc ça tombe un peu à pic. Parler à Perséphone. Qu'est-ce qu'elle fout là? On va aller voir E4 avant parce que je sens que ça va partir en cacahuète. Hein. Au moins on aura mis tout propre, on aura fait toutes les quêtes, etc. avant de finir le DLC quoi. On n'aura pas à y revenir ou finir. Parce qu'en général on finit après la quête principale, on fait les membres du culte restants, mais là du coup il n'y en a pas quoi. Donc si c'est pour aller faire 2-3 forts après, ça m'intéresse pas. Ah, on arrive au bout, hein. Finalement, celui-ci était bien copieux de DLC. Enfin, on arrive au bout. Comparé aux autres, où ils étaient quand même assez courts, là, on est plutôt bien. Hein. Pas de quête annexe, par contre. Hein. Tout est vraiment centré sur le scénario. Encore un arc, oui. Bon, ici, c'est les arcs. Hein. Voilà, on va pas... On aura peut-être... chaque DLC aura sa spécialité, peut-être aussi. Là, c'était beaucoup les arcs. Peut-être que quand on sera en enfer, ce sera plus les haches, les masses, sur un truc comme ça. Aider cette femme entamera le pouvoir de Perséphone. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est une oratrice qui acceptera de rejoindre la rébellion d'Adonis. Ce que je trouve bizarre, quand même, c'est que Léonidas soit en enfer, en fait. Enfin, dans le paradis de l'enfer, mais bon, c'est l'enfer quand même. Hein. Libère les villageois retenus au rêve brisé de Perséphone. Mon fils Théron y travaille comme gardien, contre son gré. Je sais pas, il y a quand même plein de trucs bizarres, je trouve. Du coup, est-ce que c'est vraiment Léonidas? Ou quelqu'un qui aurait son apparence? Tout ça, ils sont tous contre... À part Hermès, ils sont vraiment tous contre Perséphone. J'arrive pas à me décider pour un camp ou un autre. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Tout le monde est contre elle, mais on n'a pas vraiment une bonne raison d'être contre elle. Nous, on cherche une sortie, mais... Apparemment, seul, il faudrait la tuer pour sortir, mais il n'y a vraiment pas d'autre solution, tu vois, c'est bizarre. Je l'ai délivré de l'influence de Perséphone. Il a rejoint la rébellion d'Adonis. Tu les trouveras là-bas. Comme promis, je vais me joindre aux rebelles. Quel message veux-tu que je transmette une fois parmi eux? C'est à moi de choisir les messages? On va faire le truc d'Adonis. Savoir aux humains qu'Adonis les mènera à la liberté. Il n'a que leurs intérêts en tête. Et Kat, pareil, on a du mal à cerner vraiment son truc, quoi. L'important est de priver Perséphone de son pouvoir. Elle, autant, elle veut juste prendre sa place. Ne te concerne pas. Ce que tu penses de lui n'a aucune importance. Une jeune femme souffre d'un mal terrible. Elle a accepté d'aider la rébellion pour peu qu'on lui trouve un remède. Mais Perséphone a depuis longtemps déclaré hors la loi l'eau capable de soulager cette femme. Quelqu'un en a caché une dernière fiole dans une grotte à l'écart du chemin d'Hypnos. Son besoin de contrôle a pris des proportions qui dépassent l'entendement. Quelle est la maladie de cette femme? La pire qui puisse frapper un humain dans l'Élysée. Le cœur brisé. Pour l'éternité. C'est une peine de cœur. Tu ignores tout du chagrin après la mort. Il hante les humains avec une intensité inconcevable sur Terre. Nul ne doit te voir l'apporter à la villa des jardins d'Adonis. Ah, c'est peut-être l'endroit où il y avait les trois titans, là? Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, clairement. S'ils étaient là, on savait pas ce qu'ils glandaient ici. Là, au moins, ils auraient une raison d'y être.
Du coup, je vais les rebuter, et bien parce que je soupçonne fortement le fait que ça apparaisse une fois que je les tue ce coup-ci. Peut-être que je me trompe encore, peut-être que je vais les attaquer pour rien, mais... Oh, 2 secondes, non ? C'est avec leur téléportation aussi. L'autre est mort, mais je sais pas où. Ah ! Quel que soit le pouvoir de cette eau, des gens sont morts en la cherchant. Et là, du coup, si je m'y mets... Je les ai re-attaqués pour rien ? Du coup, ce serait là-bas, là où il y avait les autres gars. Je sais. Bon, j'en ai eu qu'un. Tiens ça. Et je vais utiliser un peu la compétence. La statue, vite. Ah, j'ai pas vu, elle était dans mon dos. Ok, donc c'était bien là, encore des arcs, c'est pas grave. Tu as dû trouver ce qui reste des eaux du Léthé. En effet. Oh, aie pitié, et donne-moi une gorgée. J'ai perdu ma femme dans le Tartare, et ses hurlements hantent mes rêves. Et rien qu'une gorgée, quelqu'un d'autre en a besoin. J'ai pas eu de choix. Qui es-tu ? Peu importe, après tout, je m'en moque. Il a perdu la mémoire. Donc en buvant le truc, il a perdu la mémoire. Ça veut dire que l'autre va perdre la mémoire aussi. Voilà les bugs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit like. Et merci aux tipeurs et aux membres soutiens qui ont rejoint la chaîne. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao.